Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un morceau, enfin d'un clip que j'ai adoré. Et je crois que vous aussi, vu les millions de vues, vous vous rappelez de celui-ci. Quand je partirai, certains faux frères feront mine d'être déçus. Veulent rouler avec moi, auparavant m'auraient marché dessus. Dites à mes fans que je suis fou d'eux, que je n'étais rien sans eux. Que la vie s'applaise et qu'il n'y a pas de fumée sans coup de feu. Big up à Fred Musa, Pascal Sefranc, c'est la même. Encore un rap entier FN sur ta FM. Quand je partirai. Quand je partirai. Je me rappelle qu'en arrivant sur le tournage, j'avais la joie de vivre, j'étais de bonne humeur. Ensuite, on m'a enfermé une heure dans un cercueil. Et là, je peux vous dire que ça m'a fait froid dans le dos. Et j'ai reçu plein de messages sur internet de vous qui me disaient « Comment c'était dans le cercueil ? Comment c'était ?» Dans votre avis, j'étais pas en boîte de nuit, j'étais dans un cercueil. C'était froid, sombre. Et en plus, j'ai dû y rester une heure, voire deux heures. C'était un truc de fou. Mais au final, le clip, c'est un de mes préférés. Et s'il fallait le refaire, bien sûr que je le referais. Mais c'est vrai que tu te poses plein de questions quand tu es enfermé une heure dans un cercueil. Tu repenses à ta vie, tu repenses à ta famille, tu repenses à plein de choses. Donc c'était une petite expérience, enfin une petite parenthèse que je voulais partager avec vous pour ce One Time. C'était Fouini Babe dans One Time. On se revoit très bientôt. Skrrt !